Usna. Usna, écoute-moi. Ali, laisse ma main. Écoutez-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Pourquoi ne dis-tu pas clairement que j'ai pas de place dans ta vie? Tu as mal compris. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que j'ai mal compris? Ce que tu dis. Ou ce que j'ai vu de mes propres yeux. Tamana avait le vertige. Elle avait des vertiges. C'est pourquoi. Je ne veux pas en parler. Usna, pourquoi tu ne veux pas parler? Pourquoi tu ne veux pas parler? Que vas-tu dire, Ali? Tu as tellement changé. Tellement. Toi, comme tu as parlé grossièrement à Annie. Que s'est-il passé? Et si je lui avais donné de l'argent? Tu disais, cette tante et Annie sont sous ta responsabilité. Juste pour lui plaire. Tu as tellement dit juste pour faire plaisir à Mina. Quoi? Pourquoi vais-je penser à son bonheur? Ça aussi de cette façon. J'étais contrarié que tu lui aies donné de l'argent sans ma permission. Que pouvais-je faire? Tu n'as pas posé de questions sur leur état une seule fois. Elle était inquiète. Je pensais que je devrais l'aider. Tu aurais pu le faire après me l'avoir demandé. Usna, si tu me l'as dit, alors tout cela ne serait pas arrivé aujourd'hui. Tu me traites de responsable de tout ce drame. Usna, vous êtes très étrange. D'abord, tu fais une erreur. Et si je dis quelque chose, tu mets la responsabilité sur quelqu'un d'autre. J'en ai marre de tout ce drame. Je t'aime, Ali. Je vous aime. Je vous aime. Qu'est-ce que tout ça? Je suis trompée dans ma propre maison. Ali, tu n'étais pas comme ça. Je mets ma confiance en toi. Et Mina, elle est comme ma sœur. Alors pourquoi tout cela arrive-t-il? C'est le plan de Mina. Elle veut m'enlever Ali. Non, je ne laisserai pas ça arriver. J'ai fait une erreur en amenant Mina dans cette maison. Mais maintenant, je dois rattraper cette erreur. Mina doit retourner à Bilou. Parce que je ne peux plus le tolérer. Usne china mera.
est réveillé. Où êtes-vous allé? Boire de l'eau. L'eau est ici. Je n'ai pas vu. Je ne devrais pas faire douter de moi. Que je sais tout. Bonjour. Comment vas-tu, Usna? Bilou, toi. Pourquoi m'as-tu appelé? C'est arrivé. Ce que je te disais. Je ne comprends pas. C'est ton innocence. Et Tamana profite de son avantage. Dis-moi clairement ce que tu veux dire. Écoutez. Je te raconte ce que j'ai vu de mes propres yeux. Bilou, je n'ai pas le temps d'écouter tes bêtises. Ok, n'écoute pas, si tu ne veux pas. Je t'ai appelé pour ton propre bien-être. D'accord. Dis-moi, que veux-tu dire? Je viens de voir ta sœur Tamana. Et tu sais avec qui? Que veux-tu dire? Dis-le clairement. Mais souviens-toi d'une chose, Bilou. Si tu as dit un mensonge, alors je te traiterai mal. Pourquoi dois-je mentir? Tu connais ton mari, quel est son nom, Ali? Il traînait avec Tamana. Comment est-ce possible? Il rentre à la maison. Je ne sais pas à ce sujet. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors pourquoi tu me dis? Mina est ta femme de toute façon, pourquoi pas? Tu l'emmènes avec toi. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Mais ton mari Ali, il n'a rien écouté contre Tamana. Je m'en suis éloigné avec tant de difficultés. Et qu'est-ce que j'ai à faire avec une fille qui aime quelqu'un d'autre? Regarde Bilou, tout est passé. Mina est enceinte. Toi, est-ce que tu comprends? Elle va être la mère de votre enfant. Quoi? Enceinte. La mère de mon enfant. Es-tu devenu fou? Crois en moi, Bilou. J'ai vu le rapport de Mina. Une minute de Usna. Tout d'abord, je n'ai jamais eu une telle relation avec Tamana. Elle ne m'a même jamais parlé correctement. Et tu dis qu'elle va être la mère de mon enfant. Comment est-ce possible? Je l'ai vu me signaler moi-même. Je ne comprends pas ça. Alors Usna, cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Qu'est-ce que c'est? Soit elle te ment. Ou. Ou quoi? S'il te plaît, ne t'en fais pas, ce n'est pas mon enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut être l'enfant d'Ali. Ce n'est pas possible. Tais tes bêtises.
Et l'enfant qui te préoccupe tant. Tu sais qui est son père. Allié. Que fais-tu? Que fais-tu? Occupe-toi de tes oignons. Tu as raison. Ce ne sont pas mes affaires. Mais si tu veux te suicider, alors ça ne servira à rien de sauter d'ici. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu ne me crois pas, alors tu peux essayer de sauter. Mais tu ne mourras pas. Mais si tu veux vraiment mourir, alors tu dois sauter de ce pont. L'eau est profonde là-bas. Le débit d'eau est également rapide. Les chances de votre survie seront faibles. Je pense. Tu n'as aucune honte. Une fille va se suicider. Au lieu de la sauver, tu lui dis comment mourir. Ça ne servira à rien de t'arrêter. Dans cette condition. Et que Dieu te bénisse, tu as l'air intelligent. Tu as dû réfléchir à cette décision. Je pense juste que... si tu es sauvé... selon le CRPC article 221, tu peux être emprisonné pendant 5 mois. Et bien aussi, tu seras perdu. Je n'ai pas besoin de tes suggestions. Est-ce que quelqu'un donne d'aussi bons conseils gratuitement? Bien. Je n'ai jamais vu personne se suicider. Aujourd'hui, je le verrai en direct. Waouh, j'ai tellement de chance, continue s'il te plaît. Je n'ai jamais vu un homme aussi grossier comme toi de ma vie. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que tu es tellement en colère. Bien avant de mourir, s'il te plaît, fais-moi ta présentation. Parce qu'une personne peut venir te trouver. Ali, que t'est-il arrivé? Tu as toujours l'air perdu. Où est mon ancien Ali? Husna était-elle tout pour toi? Je ne veux rien dire pour toi. J'avais aussi tout laissé pour toi. Est-ce que je n'ai aucune valeur? Arrête de rivaliser avec Husna. Elle a disparu de notre vie. Que? N'est-ce pas de la Husna? Mais qui est avec elle? Laissez-moi voir. Que s'est-il passé? Ali, es-tu devenu fou? Tu ne vois pas? Ils ont l'air si amicaux ensemble? Au fait, qui est-il? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis? C'est ta femme. Si elle rencontre des hommes inconnus dans la ville, cela nuira à votre réputation. Elle est très rusée. Tu ne l'as même pas quittée. Et un autre homme est venu dans sa vie. Au fait, sa voiture avait l'air très bien. Peux-tu rester silencieux pendant un moment? Si la réalité peut changer en me faisant taire, alors je resterai tranquille. Au fait, je pense que maintenant tu devrais divorcer d'Husna. Nous allons voir un avocat de toute façon. Regarde Ali. Elle a trouvé quelqu'un d'autre dans sa vie. Avant qu'elle ne te demande le divorce, tu devrais la quitter. Tamana, tais-toi ou bien je te fais sortir de la voiture. Pourquoi vais-je sortir de la voiture? Elle fera les mauvaises choses et tu seras en colère contre moi.
simplement parce que je t'aime. Ali, quel est ton problème avec le fait de quitter Usna? Elle a disparu de ta vie. C'est stupide de ta part de penser encore à elle. Toi. Tu es tellement choqué de me voir ici comme si je t'ai surpris en train de tricher. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu demandes, qu'est-ce que je veux dire? Usna, si tu voulais partir, alors pourquoi tu? Il faut mettre en scène un drame. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Ali? J'ai raison. Si tu aimais quelqu'un, tu pourrais me le dire clairement. Tu me fais des allégations. Si c'est une allégation, alors dis-moi quelle est ta relation avec l'avocat. Tu es toujours avec lui. Je suis fou de m'inquiéter pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Oui. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Toi, Ali, tu en as assez dit. Pourquoi? Tu es blessé par la vérité. Parlez. Vérité. Ali, tu parles de la vérité. Qui ne m'a rien donné dans la vie à part tricher. Ne change pas de sujet. Quand les comportements changent, alors les explications ne sont pas nécessaires. Je ne t'écouterai pas. Que as-tu pensé? Tu feras ce que tu veux, je ne saurai rien. Quoi que je fasse, tu n'as pas à t'en soucier. Nos chemins sont séparés de toute façon, alors pourquoi es-tu inquiet? Parce que tu es ma femme. J'ai tous les droits sur toi. Droits. S'il y a de l'amour, alors comment est leur doute? Et s'il n'y a pas d'amour, alors tu n'as aucun droit sur moi. Sans répondre à ma question. Tu ne peux pas partir d'ici. Ali, laisse ma main, ne m'embarrasse pas à mes propres yeux. Regarde Usna. Nous pouvons nous asseoir et parler. Je ne veux pas du tout te parler. Combien de temps ça va durer comme ça? Viens, rentrez à la maison. Quelle maison, Ali? Tu sais ce qu'est la maison? Une maison est un endroit où règne la paix. Où il y a de l'amour et du respect. Qu'est-ce que j'ai eu dans cette maison? Seulement de la triche. Manque de respect. Je ne veux garder aucune relation avec toi. Usna. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ali? Dites-moi. Pourquoi soudain tu as autant besoin de moi? Où est Tamana? Où est son enfant? Je ne peux plus voir mon espace dans ta vie. Alors tu devrais arrêter de me tromper, moi et toi-même. Que tu le veuilles ou non, je ne te quitterai jamais. Jamais. Toi, tu devras revenir vers moi. Compris. Ha 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 ha.
Salutations. Salutations. Comment vas-tu? Il est mon grand-père. Elle est Annie. Salutations. Salutations. Entrez s'il vous plaît, venez. Merci. Chérie, où est ta mère? Elle est à la maison. Laisse-moi l'appeler. Ok, ma fille. Salutations, tante. Il est mon grand-père. Et c'est mon petit frère. Salutations. Veuillez vous asseoir. Merci. Chéria. Qui est-elle? Tu ne l'as pas présentée. Grand-père. Elle est Usna. Que Dieu bénisse. J'ai entendu de bonnes choses à ton sujet. Je veux te féliciter. Vous avez bien formé vos petits-enfants. De la façon dont il nous a aidés, nous ne pouvons pas lui rendre faveur même si nous voulons. Qu'est-ce que tu dis? C'était son devoir. Annie, va apporter des collations et du thé. Oui. Non, une telle formalité n'est pas nécessaire. Je voulais demander quelque chose. Et j'espère que tu l'accepteras. Tu viens de nous donner l'ordre. Qu'est-ce qu'on a encore? Je veux demander la main d'Annie à ta fille en mariage. Pour mon petit-fils. Et j'espère que tu ne nous rejetteras pas. C'est une excellente nouvelle. Mais quoi? Mais. Il y a beaucoup de différences entre nous et votre statut. Ces choses n'ont pas d'importance à mon avis. Les humains apprécient plus que ça, et entretenir des relations est plus important. Si tu penses comme ça, alors nous n'avons aucune objection. Alors devrions-nous garder cette relation? Oui, comme vous voulez. Beaucoup de félicitations. À vous tous. Annie, ma fille, va. Prends quelque chose de sucré et distribue-le. Oui, j'apporte.